situation des personnes LGBT au Congo est tellement trop critique. Les LGBT sont confrontés à beaucoup de difficultés, des arrestations arbitraires, des menaces, des discriminations, des stigmatisations. Et ils sont victimes de beaucoup des abus dont sont commis par la communauté et aussi par les éléments de l'ordre, la police, le militaire. Il y a une loi au Congo qui la loi pour criminaliser l'homosexualité qui est au Parlement. Cette loi punit toute relation entre deux personnes du même sexe. C'est une loi qui interdit les pratiques homosexuelles et aussi l'interdit toutes les organisations qui défendent, qui promouvoient les droits des personnes homosexuelles. L'organisation RSM est née depuis octobre 2010 suite au contexte est émaillé par les discriminations et la stigmatisation dont étaient victimes les personnes LGBT. Nous avons jugé bon de créer l'organisation pour promouvoir et défendre nos droits en tant qu'homosexuels. Il y a certains LGBTI qui ont été chassés de leur famille et grâce aux actions de l'organisation, nous sommes parvenus à être intégrés à nouveau dans leur famille. Et aussi, nous avons constaté aussi une certaine tolérance de la communauté à la compte des personnes LGBTI suite aux activités de sensibilisation que nous faisons ces temps. Quotidien, nous faisons l'identification, la sensibilisation des personnes LGBTI. Nous faisons l'orientation des personnes LGBTI aux structures de prise en charge, surtout ceux qui sont victimes de violences sexuelles, ceux qui sont agressés. Nous faisons une orientation vers l'assistance judiciaire. Nous faisons aussi la sensibilisation des personnes LGBTI sur les VIH/SIDA et sur les infections sexuellement transmissibles, comment utiliser les préservatifs. Nous faisons la médiation familiale des LGBT chassés, abandonnés par leur famille. Nous distribuons des gels lubrifiants et des préservatifs aux homosexuels. Le projet d'IRSM dans le cadre du projet de FIS, c'est un projet pour briser le silence autour des questions LGBTI à Bukavu. C'est un projet très intéressant au sein de notre communauté. C'est un projet où on est en train de mener les activités de sensibilisation de la communauté, informer la communauté sur l'existence et les réalités LGBT à travers les émissions radio qu'on aura organisées. Il y aura aussi les récoltes des cas de discrimination ou d'agression dont sont victimes les personnes LGBTI. Il y aura aussi une assistance judiciaire de quelques cas qu'on a documenté et récolté certains.